Et oui, aujourd'hui, je sors mes claquettes de sécurité pour déballer un joli outil que les copains de Vivor m'ont envoyé. Je suis dans un appartement et Balthazar, mon gros compresseur bourrin, n'a pas pu me suivre dans mon déménagement, donc je vais tester un mini compresseur 8 litres, voir ce que ça a dans le ventre. Après avoir déballé l'engin, je me lance dans le montage, d'abord les filtres à air. Puis la quincaillerie pour raccorder un tuyau à air comprimé. Il est aussi fourni avec des pieds ventouses en caoutchouc, pas super évident à monter avec mes gros doigts d'ours. On se déplace sur ma table à dessin, plus pratique et surtout à la bonne hauteur, et on finit d'installer les pieds. Pourquoi avoir choisi un compresseur comme ça, aussi petit? Et bien justement pour son poids, son encombrement, et surtout parce que j'en ai pas la même utilisation que dans mon ancien atelier. Dernier élément à monter, la poignée, et pendant que je galère à comprendre comment le monter, on va discuter un peu justement de l'utilité de ce compresseur. Il est petit, donc je peux le trimballer partout, il est peu bruyant, 70 décibels, donc je peux l'utiliser dans mon appartement, il n'a pas besoin de maintenance ou d'huile, et il est suffisant pour mes utilisations, qui se résument à de la soufflette et une agrafeuse. Au bout de quelques minutes, je comprends enfin comment monter la poignée, qui est bien pratique pour trimballer ce petit compresseur un peu partout. Alors, ce compresseur, je ne l'ai pas acheté, les copains de Vivor, un site que je ne connaissais pas, me l'ont envoyé, et vous avez comme d'habitude un lien d'affiliation s'il vous intéresse, ainsi que 5% de réduction. Ouais, je suis un sale vendu et j'ai même pas honte en plus. Oui, j'ai mis une éternité à comprendre comment le manche se fixait et donc je vais resserrer les pieds et mettre du téflon sur les connexions pour l'air. Le but donc de ce compresseur est d'être petit, maniable et efficace. Il a un petit réservoir, seulement 8 litres, donc pas adapté pour de la peinture ou du ponçage, et il va avoir tendance à se relancer souvent pour maintenir une pression constante. Mais vu qu'il est peu bruyant, rien de dramatique. J'utilise des outils qui ont besoin entre 4 à 8 bars et ils se débrouillent très très bien. Mon ancien compresseur était massif, dépassait les 90 décibels et à chaque fois qu'il redémarrait, je frôlais à chaque fois la crise cardiaque. Autre contexte, donc autre matériel. Je suis pas sûr que les filtres aient besoin de téflon, mais bretelles et ceintures, j'en mets quand même, juste par sécurité. Et premier test, je me suis racheté une soufflette et un tuyau bas de gamme.
Comme pour tous les épisodes, les liens vers tout le matériel est en description, des liens d'affiliation qui ne vous coûtent rien et me permettent de financer quelques achats par-ci par-là. Comme pour n'importe quel autre compresseur, une molette permet de régler la pression de sortie. Ici, il affiche 12 bars maximum, mais perso, je me contente des 4 à 8 bars dont j'ai besoin. Et justement, on va mettre ça en application avec l'habillage d'un sommier, avec du dacron et du tissu d'ameublement, avec ma super agrafeuse spéciale tapisserie et les agrafes qui vont bien. Je commence donc par agrafer le dacron à la structure du sommier, j'ai suffisamment de tuyaux et au besoin, je peux bouger mon compresseur. J'ai découpé le surplus et franchement, l'agrafage se passe trop bien. Ici, dans la chambre de ma progéniture, sans avoir à prévoir des rallonges de tuyaux puisque c'est le compresseur que je bouge sur place. J'ai trouvé une grosse chute de tissu d'ameublement en faux cuir que je découpe en me laissant de la marge, que je vais venir disposer et fixer par-dessus le dacron. Bon, vous l'aurez compris, je suis pas un spécialiste de la tapisserie, mais j'essaye de faire mon mieux et en soignant la partie qui sera visible. J'en oublie le compresseur et c'est, je pense, le meilleur compliment que je pourrais lui faire. Pour une utilisation modérée comme moi, il est juste parfait et je continue donc à m'appliquer au coin de mon tissu pour avoir le rendu le plus soigné possible. La couverture de ce sommier m'a pris en tout et pour tout un peu moins d'une demi-heure. Et j'avoue qu'avoir une agrafeuse pneumatique change vraiment absolument tout. Même si c'est possible de le faire à l'agrafeuse mécanique ou électrique, le système pneumatique est tellement pratique et efficace, et je dis pas ça juste pour faire la promo du compresseur, vraiment, certains outils changent de perspective, et l'agrafeuse en fait partie, idem pour la rifteuse. Pour donner un côté fini, j'ai pris un morceau de sangle pour cacher un peu les détails visibles et donner un côté un peu plus fini. Ici aussi, la graffeuse adossée au compresseur n'en fait qu'une bouchée de pain. Et hop, voilà le résultat, un joli sommier, bien protégé, pour une somme ridicule et à peine une demi-heure de travail. Moi je valide à fond les ballons. Alors qu'est-ce que j'en pense de ce compresseur? Eh ben je suis agréablement surpris. Il ne remplacera pas Balthazar, mais est tout à fait adapté à mes utilisations. Il est petit, pas lourd, peu bruyant, je peux le trimballer partout, fait fonctionner mes outils sans problème, je l'ai trimballé le week-end dernier à Liège pour aider au montage d'un stand, et il a rempli son office sans aucun problème. Il pourrait avoir une cuve plus volumineuse, mais serait moins transportable. Franchement, pour mon utilisation aujourd'hui, il est parfait. En tout cas, il est tout à fait adapté et a rejoint ma nouvelle grotte.
Et vous, est-ce que vous utilisez un compresseur? Quoi comme type et pour quelle utilisation? Je vous laisse me répondre dans les commentaires. J'ai été agréablement surpris par ce petit compresseur, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura donné envie, vous aussi, de passer à l'air comprimé, même comme moi, dans un appartement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et en attendant la prochaine, faites des trucs, inspirez-vous, et que la barbitude soit avec vous.